qu'il y a des belles créatures. Mais, ma foi, Dieu, on se carrerait quasiment encore en Floride. Une chance que ta fille n'est pas avec moi, oui. Il restera bien, je crois que le restant, c'est où, lui. Il y en a deux là-bas, oui. On t'y m'a pensé à ceux que j'ai vus la dernière fois, c'était en enfer. Parce qu'il y a des sacrées belles créatures en enfer, oubliez pas ça. Je vous conseille ça, les hommes, là, si vous êtes tannés de vos femmes. Seulement, je vous avertis, il y a une petite différence avec les sœurs des sites, c'est qu'ils sont assez chaudes là-bas qu'on peut pas lui toucher. Allez, créature. Il y a rien que ça de vrai, arrangez ça comme vous voudrez. En tout cas, si le bon Dieu a fait mieux que ça, il l'a gardé pour lui, certain, parce que je n'ai pas encore lui. Ça va falloir que j'arrête d'y regarder. Tel que je me connais. On va parler de ça toute la nuit, parce qu'on peut s'étendre longtemps là-dessus. Surtout à mon âge. À mon âge, quoi veux-tu, toi, sans gare, rien. Oh, pis ça sert à rien non plus. Faut dire que le docteur me disait encore la semaine passée, parce qu'il a fallu que j'aille le voir, moi, là, pour mon rinquet. Ça faisait une escousse que ça me faisait mal dans le bas du corps, oui. Assez que le matin, j'étais obligé de me lever, oui. De mon bord de la couette. Ben non, c'est parce que de coutume. Passe par-dessus des merises. En me voyant arriver, il dit sacré Dieu, il dit oh, du casquetage. Quand il dit un peu ça, on fait, là, dit écriture, il dit lâche donc ça tranquille. Il dit ça sert à rien, il dit chauffer un engin quand tu peux plus lâcher la stime. Il dit, veux-tu charger, finalement, Quand de bas, c'est du bon tabac, ça, c'est... Pis, quelle sorte d'année que vous avez passé de vous autres? Avez-vous eu du fun à votre goût? Je t'ai dit, nous autres, toi, Saint-Girard, on a passé une année dépareillée. Moi, ça a bien été. On a fait une grosse recorte à plein cette année, on a fait du sucre, on a voyagé, on a été aux États cette année. Ça faisait une escousse que tu mets après moi, pis tourment, pis rodon, pis chambant, pis là, ou pas. Tabarouette, pourquoi c'est fier que tu nous amènes pas voir mon oncle Caius à Lewiston? Ben, dis mon pauvre enfant, j'ai dit je t'emmène à la fin parce que je trouvais monsieur voyager un peu ici là. Seulement, j'ai dit à ta mère, comprends des bris, c'est toujours la même maudite affaire, t'es une vraie poule couveuse. Tu vois l'heure de sortir ça, tu le niques. Qu'un bon matin, je me suis coqué, j'ai dit, écoute, des bris, j'ai tout dit, mais, t'es tout doux ou pas pour moi, j'y récite à Saint-Girard, j'ai dit tout à ta vie. À voyager à terre de la maison, puis le presbytère, puis les dames de Saint-Anne, j'ai dit, ça fait pas un paquage ben gros pour une créature, ça. J'ai dit, la bosse, c'est beau, mais faut tout se débosser de temps en temps, j'ai dit. On est parti voir Caius à Lewiston. Ça, Lewiston, ça se trouve, passer les lignes, c'est dans le tout, c'est en gagnant, pas mal du bas, c'est dans le dessus, ça. Ça se trouve juste, passer où ça, ce qu'on faisait chanter anciennement pour devoir la croix, nous autres, parce que ton père a connu ça, tu vois. Resté à Saint-Georges anciennement, ça. Caius, lui, il travaille là, à Lewiston, ça fait... Oh, ça fait une escousse, ça fait tout roux. Ça fait au moins... Oh, ça fait plus que ça. Ça fait une quinzaine d'années qu'il travaille là, lui. Il travaille dans une factory, là, lui.
Il est boss, là, il fait des grosses gages à plein, toi, il a... Ben, il a changé de corps encore cette année, mais il a ça l'autre jour, je viens de là. Là, il vient de s'acheter, là, lui, un Ninkin, qu'il appelle. Un Ninkin dramatique automatique. Ah, c'est... Grosse wagon à plein, toi, ça... Ça marche tout, toi, ça, là-dedans, avec des pitons, toi, puis il y a l'électricité, toi, d'un bout à l'autre. Il manque d'être les closettes à l'eau, là-dedans, pour ben dire. Ah, puis, il y a mis seulement Caillus voulait les avoir à l'eau chaude, puis aux États, il les pose pas encore, comme ça. Ah, puis là, Caillus, lui, il a tout grégué ça, cette voiture-là, toi, il a tout mis là-dedans de cossé qu'un homme peut mettre dans une auto. Y'a jusqu'à une capote, t'avais ça, toi, que tu peux mettre pis ôter, quand tu veux. C'est ça, de quoi, c'est ça. Ben non, ben c'est tout. Moi, tu le voyages, des fois, tu sais. Je m'aperçois qu'il y en a qui ont déjà voyagé. Ça vous rappelle des souvenirs, madame? Ben non, ben tu dis, moi, d'une personne qui veut pas se mouiller, toi, tu m'assois par-dessus, t'es à l'abri du vent pis de la pluie, ben ça, t'es bien. Pis c'est des chars, ça, qui sont forts à plein, si tu l'autre jour, je m'en allais prendre une raide avec Caillus, pis moi, t'as arrêté prendre du gaz à une station qu'il y avait là. En arrivant là, le gars de garage reçoit à mon moindre, où ça arrive, il perd Gédéon, il dit, dans ces moteurs-là, il dit, il y a 375 chevaux. Pauvre, tu viens, il dit, ça fait toute une écurie à traîner, il t'a presque... Venez-vous-en jamais en ville avec ça, tu pourrais jamais stationner ça nulle part. Ça fait qu'à la fin du compte, toi, on s'est rendu là, on est arrivé sur l'heure du midi, on va voyager longtemps. Rendu là, Caillus nous a tout fait visiter ça, les Winston, d'un bout à l'autre. On a tout vu de quoi c'est qu'il y avait à voir là, il nous a introduit un tas de monde, on connaît ça pas partout. Il nous a jusqu'à emmener d'un jardin zoologique, qu'ils appellent eux autres. Ils cultivent les animaux, aux Américains, là-dedans. Il y en a de tous les poils. Ça vient des vieux pays, ça, de gars, bon, puis il y en a des effarouchants. Je suis magnétiquement hyper, moi. Pourtant, je suis pas farou. On reçoit de 24. C'était du jour blanc, il y avait là. J'avais jamais vu ça. Ça t'a des crocs marfouilleux, d'une grosseur. Pis la langue longue, c'est ben simple, c'est de n'était qu'ils y mangent un an pour les créatures. Ben, qu'ils ont, t'as pas connu. J'ai pogné d'émerise, pis je l'ai amené à Gueur de suite, tu comprends pas? Pis à Gueur, c'était pas mieux. On reçoit devant un autre cache, pis c'était des singes, qu'il y avait là. Pouh, viens, moi, du fun, là. Ben, rappellerai tout. Tu reçois là. Pis, d'avant un écrit sur les barreaux, là, c'était marqué là-dessus, « Ouistiti à queue prenante ». Il dit, « Demeris, c'est quoi ça ?» Il dit, « Connais-tu des singes de ce nom-là ?» Il dit, « Non, je ne me rappelle pas d'avoir vu ça. »« Comment ?» Il dit, « Tu connais pas ça, tu connais pas ton histoire du Canada, mieux que ça ?» Il dit, « Liseuse comme t'es, il t'a tout nez dans les annales pis les gazettes. » Il dit, « Non, je ne me rappelle pas d'avoir vu ça. » J'ai ben vu après ça, moi, pourquoi c'est faire qu'ils appelaient de même. Il y en avait un, toi, qui était routier dans le haut de la carte. Il y avait la queue virée 4-5 tours à mon barreau qu'il y avait là. Pendu par la queue, tu balancinais, toi, d'un bord et de l'autre. Je regarde ça, mais j'ai dit, ma foi, en bonne vérité, moi, qu'il a fait pour s'amancher de même? Asseyez ça, vous, monsieur. C'est un compliment, je voulais vous faire. Sais-tu que cet écœurant regardait ces animaux-là? Sale d'ardir, tout usé. Les fesses rouges, toi, comme un soleil couchant. Chauve à part ça comme un juge de la Cour suprême. Ah ben, tu m'as tout bien allé voir l'autre bord, certain, toi.
Je griffe une poignée de sable, puis je gambe ça dans le derrière. Il a fait une sauce, il virait de bord. Il a commencé à grimper dans les barreaux. Il faisait pareil, mon massacre avec, t'es loin de la bourse, personne ne me connaît ça là. Il me faisait des grimaces, il en faisait moi tout, le fun à pogner, toi, puis à la fin du compte, c'est moi qui ai eu les pinottes. Là, après ça, Cadius nous a amené manger de lunch car qu'il y avait là, pas loin. Rendu au dessert, il m'emmène aux closettes. Puis là, il commence à me dire, parce qu'il m'a parlé de ça, c'était après un foin quand il était venu chez nous, il dit, écoute, Gédéon, là, il dit, mes cursos d'eau d'état, faut que je t'emmène voir notre spot national. Là, hier soir, il dit, on lâche les créatures lousses. Pis je t'emmène voir une partie de plot professionnelle. Ah, ben, tu vas y aller certain. J'y pensais depuis un escout. J'en parle pas de mris, c'est pas fait choquer sur le voyage, pour rien. Fait qu'il m'emmène une place, quoi, c'est un Boston qui appelle ça. Passer Lewiston à plein, c'est en gagnant dans le sud, ça. Vers la Floride, pas mal plus fort, encore. M'amène là d'un grand bâtisse qui j'y mets à part de vue. Tout éclairé au nylon, toi ça là-dedans, d'un bout à l'autre. Il y avait un grand clos, oh, c'était tout roux. C'était tout roux, à moitié de mon clos de Packard, 12 après. Ça me faisait qu'ils y met à penser, à plairer, puis tu m'en vélo. Tu sais bien ça, que la joie à plat, puis tout le monde, quand t'as ta jeunesse. Une belle grand plairie, ouais. C'était planche, ça. Comme la servante du curé. Ah ben non, ben ça se comprend, moi, tu dois Timon avait la bourre et ça, lui. Il avait viré ça sur toi et ça, toi. Il avait fumé là-dedans pendant des années, toi. T'en plein place pour aller jouer à plaque, toi. Puis nous autres, on jouait contre le club des frères. Parce qu'à tous les ans, les frères s'en venaient à le chalet, au lac, parce que nous, on a passé une couple de mois, tu sais, en virgiliature, t'as reposé tranquille. Puis le dimanche après-midi, il y a ma soeur jouer contre nous autres. On s'arrangeait toujours pour mettre ça à l'équipolin un peu, parce que nous passait des frères, on lui passait des petits gars, puis on balançait un peu notre affaire de main. Puis moi, je m'en rappellerai toujours, moi, de le coach, eux autres. C'était le frère Manuel, il s'appelait lui. Pauvre, rien qui était bon. Il connaissait la plotte, lui, sur le bout de ses doigts. Puis, il était surtout fort sur le bat, lui. Il nous avait toujours dit, les jeunesses, parce qu'il nous montrait à jouer, t'allais partie nous autres, les habitants. On connaissait pas ça à plein à plein. Eux autres, les frères, ils jouent à ça à l'année, quoi, tu veux connaître le d'affaires. Il nous avait toujours dit, les jeunesses, si tu veux avoir du russe dans ce jeu-là, tout est dans la manière de quoi c'est ça que tu pognes ton bat. Ben non, ben c'est parce que donne manière de pogner ça, toi. Si tu veux aboutir à quelque chose dans le jeu-là, là, il faut que tu pognes ça, il y a deux mains bien salides. À mon la magioche, il y a au bout. Ben ouais, ben c'est pas là pour rien, ce magioche-là, toi. Là, une affaire, c'est pour t'empêcher de glisser, on se bat. Ben non, mais s'il faut dire que t'échappes ton bat, toi, en pleine action, tu peux faire des dégâts autour de toi. Donnez-moi une chance, parce que je vais lâcher ma poigne. Parce que il n'y a pas rien que des habitants qui jouent à ça. Et là, le frère Emmanuel, il nous disait, si t'es gaucher, faut que tu fasses attention. Là, il dit, si t'es gaucher, faut que tu mettes ta main gauche de faire le gros bout du bat. Fais pas ça à l'envers, parce que tu peux tout fucker ton affaire comme rien. Sans compter que une fausse manœuvre, des fois, toi, tu peux te donner un coup de poignet le temps de le dire.
Le frère Manuel, ça n'était déjà donné un comme ça. Mais... ça y est arrivé curieusement, ça. Il m'avait conté ça après une partie. Il était jeunesse dans ce temps-là, lui. Puis il jouait dans un club où ça, ce qu'il étudiait, tu sais, au collège. Puis son coach à lui, dans le temps, c'était le frère... Ah, il me l'avait déjà dit, c'était un vrai nom couché dehors, toi. C'était le frère... Tarsus, coucou, comme ça, toi, quoi. Le frère Manuel, il était gaucher. Puis le frère Tarsus, il vous le dit où, le faire travailler droitier. Puis ça, ça l'enfargeait, tu comprends. Il venait tout mélanger avec ça, il savait plus quoi faire. Fait qu'une bonne fois, à plein milieu d'une partie, toi, il a fait une fausse manœuvre, il s'est trompé, toi, puis il s'est donné un coup de poignard, ça lui a fait mal. Il est resté avec un bandage pendant une semaine. Autour du bras, toi. Il a vu l'heure que ça partira pas. Il a tout essayé. Il frottait ça tous les soirs. Il a mis de la couenne de l'or là-dessus. De l'huile Saint-Joseph. Puis ça ne diminuait pas. Qu'un bonsoir, c'est le frère infirmier qui lui a fait passer ça d'un coup sec. On n'a plus rien à lui parler. Ben, c'est pour te dire. C'est pour te dire qu'à ce jeu-là, il faut que tu te mettes à ta main à toi. Passeuse d'un autre, c'est bon, rien tout. Fait que là, le frère Manuel, il nous disait une fois que t'as pogné ton bat, ben, c'est libre. À mon la Mallorca, comme on disait, bateau. Là, il dit, tu te le fais aller tranquillement. À l'advenant. Jusqu'à temps que la pilote vienne. Puis, il faut que tu t'alignes droite. Puis que tu vises juste. Sans ça, t'es folle balle. ou ben tu passes dans la mythe avant le temps, ou là. Faut que tu fasses attention, tu sauras que c'est dangereux, toi! Il y a des plots qui viennent vite en pause! Ah. M'en rappelle en pratiquant une fois, moi! Il y en a une qui m'était venue en pleine face! Vous trouvez ça drôle, vous autres? J'aurais bien voulu vous voir à ma place. Il dit que je dis égoutté dangereux cette fois-là. Ben, c'est cette fois-là que j'avais pété ma dent, c'est... Je ne l'ai jamais remplacé parce que... ça crache mieux avec une brèche. T'as avec... Pour revenir à notre partie à Boston, on s'est éloigné un peu de ces foleries-là, non? On sous là, Tadis puis moi, on va s'asseoir dans l'estrade, on mange des pinottes, prend une petite bière, tranquille. Tout d'un coup, la partie a commencé. Un grand fanal de calobes de 6 pieds de qui reçoit au bac. Un nommé William. Ted William, il jouait pour les Boston. T'as un gros fesseux, il claquait, mais démonte à parler de lui. S'installe au bac, il commence à disparaître, gigonner le bac sur tous les sangs. Sprignait du haut en bas. Ça faisait aller le porte-crotte en arrière. Pour tiendre le balade. Puis là, il n'attendait rien à son goût. Je regarde ça, moi, avec la longue vue à Cagus. J'ai remarqué que... il y avait la pogne du frère Manuel! Ah ben, j'ai dit, wow, hardiet-oué! Ah ben, j'ai dit, Cagus, watch-toué! Je connais une plotte qui va aller pas carré loin, bientôt. Tout d'un coup, le pitcher, il y en a en moyenne tout croche!
Ça ressemblait à une tuée de cochon, ça fait là. Là, mon William qui se lance là-dedans, oui. Passe dans le beurre, il voit ses crapoutilles à terre, il dit, Caillus, ça y est, il dit, c'est donné un coup de poignard. Comme le frère Manuel. Mais non, il s'est relevé de là, il s'est escoué un peu, il a écrit du sang à terre, il s'est mis ça sur le bac, puis il a recommencé. Il avait l'air en maudit, tu comprends? Il venait d'en manquer une. Tout le monde l'avait vu, t'as 15 000 personnes, voilà. D'un coup, il en reçoit une drette. Il t'a connecté ça, ma fouilleuse, c'est parti dans le haut du clos, ça aurait dit Caillus. Ils vont en perdre. Ah, puis ils l'ont perdu. Ça a passé par celui-là de sûr, ça, à moitié de notre trône. Il a fait un court circuit, il a gagné la game. Ah, ben, il dit Caillus ça. Il dit, c'était une partie de plot comme je les aime. Fait qu'en s'en retournant, on jasait de ça, tous les deux, Caillus puis moi, en fumant. Il dit, coudonc, il dit, ils doivent se faire des grosses gages à plein, il dit, ils connaissent là, je dis, ah, oui, ça. Ah, écoute, il dit, voyons, c'est des professionnels, ça. Ils jouent à ça, eux autres, règlement à l'année, ouais. À force de ça, il dit, t'es plus dans la bourse, t'es rendu aux États, il dit, on paye notre monde. Ben, il dit, écoute, les gens de la Beauce sont aussi fins que les Américains, c'est pas ça que je veux savoir. Je voudrais savoir, moi, de quoi c'est que ils peuvent gagner à peu près, j'ai dit, en équipolant nous autres, les habitants sur une terre. Ah, ben, j'ai où le gamme que t'as vu, bateau? C'est 75 000 piastres par année. J'ai dit, viens-tu fou, Caillus, lâche-moi, t'es, wow, Hardier, slack un peu, ça fait, on fout le pas, ça fait du poids, ça va être un peu t'ambitionne. Oui, des habitants, moi, pas des fous, lâche-moi. Ah, oh, crée pas ça. Ah, oui, pis, pas une scène de moi. Ben, j'ai dit, ça prend bien des Américains à payer des prix de fou de même. En tout cas, moi, j'ai dit, je connais bien des gars de la Beauce qui fesseraient sur une plotte pour moins cher que ça, en tout cas. Que je suis maître chante à part de ça, Saint-Girard. Ouais. J'avais pensé de vous envoyer une petite tune de la Beauce pour vous montrer notre folklore un peu, nous, parce que on va pas rien qu'à grand-messe puis au vin, puis on va au noce temps d'attente. On va vous envoyer une petite chanson de noce, ça s'appelle Mon petit cavalier. Ah ouais, donne-moi la note, toi, là. T'as ni demandé haine, t'en ai pas demandé un char, que tu vois. Ah, moi j'ai haine, là. Ah, c'est bien trop haut, ça, du coup. Riez tant que vous voudrez, madame, vous avez sa baisse en vieillissant. Je... J'avais un petit cavalier, tu venais me voir, dans notre maison. Elle les renvoyait, yes, il est complaisant, elle n'aurait de l'agrément, mais s'il est jaloux, y'a, elle n'aurait pas beaucoup. S'il est complaisant, elle n'aurait de l'agrément, mais s'il est jaloux, y'a, elle n'aurait pas beaucoup. Excusez-la.